Dimitri, quelles sont les zones en France qui sont les plus exposées à ce risque de montée des eaux ? En fait, c'est tout le pourtour à la fois méditerranéen et l'ensemble de la côte, hein, des villes comme Marseille, Nice, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, Dunkerque. Tout ce pourtour, en fait, est directement concerné. Il faut bien aussi voir que là, on parle de 20 cm, par exemple, en France. Hein. Mm-hmm. Ça semble peu. En réalité, d'ici 2030, on devra avoir une inondation toutes les deux semaines dans les villes côtières. Donc, ça veut dire que les gens, là, ils se disent, bon, bah tiens, il y a une inondation. Dans deux semaines, je vais avoir une autre inondation, etc., etc. Alors, Dimitri, on voit très bien, effectivement, les zones concernées, là, sur cette carte qu'on va revoir. Mais ça concerne combien de communes et combien d'habitants? Est-ce qu'on peut estimer ça? Oui, tout à fait. Les communes qui sont vraiment exposées sont aux alentours de 850 et le nombre de personnes, c'est environ 1,4 million d'habitants. Représente environ 850 000 personnes, donc c'est un nombre important. Si maintenant on ajoute en plus tous les risques de débordement de cours d'eau, on est plutôt aux alentours de 14 millions et ça fait environ 9 millions de personnes en termes d'emploi qui sont concernées. Donc on voit que ça a vraiment un impact majeur. Donc, comme effectivement Fanny l'a très bien dit, les actions que l'on a aujourd'hui ont un impact sur les inondations. Alors, il y a une certaine inertie, hein, mais ça signifie qu'évidemment, plus on émet de CO2, plus les inondations vont s'accroître. Alors, je voudrais qu'on regarde un article du Figaro que j'ai repéré cette semaine, qui est titré « Les dernières vacances de Fabrice Lucchini avant l'engloutissement de l'île de Ré sous les eaux ». Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il a revendu sa maison secondaire parce qu'il n'y aura plus La Rochelle dans une quinzaine d'années, dit-il. Moi, j'ai revendu ma baraque parce que le mec m'a dit que dans 12 ans, il n'y aura plus d'île de Ré. J'ai senti qu'il fallait s'arracher. Je cite, c'est du Lucchini. Dans 12, 15 ans, il n'y aura plus d'île de Ré. Plus de Noirmoutier, il n'y aura plus rien. Bon, est-ce que c'est vrai, Dimitri? Que Noirmoutier, La Rochelle, l'île de Ré, ça va disparaître sous les eaux? Alors, c'est exagéré, parce qu'on n'est pas encore dans la version atlantique de l'île, de Noirmoutier ou l'île de Ré. Toutefois, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que vous avez une habitation à Noirmoutier. Alors, Noirmoutier, c'est particulier, parce que le nord de Noirmoutier est quand même très fortement exposé, le sud un peu moins, mais l'île de Ré, c'est les mêmes choses. Et malgré tout, les personnes vont être de plus en plus confrontées à des inondations. Donc, ça signifie quand même réparer, nettoyer, etc., toutes les deux semaines. Je ne suis pas sûr qu'en termes de mode de vie, ça soit le plus fun qu'on ait, quoi. Donc, ça ne sera peut-être pas complètement couvert. Tant mieux, et ça prendra un certain temps. En revanche, c'est vraiment des vrais changements en termes de vie et aussi au niveau des entreprises ou des acteurs publics. Parce que vous ne pouvez plus produire, vous ne pouvez plus vous déplacer pendant une certaine période de temps. On se parle des infrastructures. Dans le domaine de l'électricité ou dans les autoroutes, les routes, je vais dire plutôt, ils sont inondés, il faut les réparer. Ça coûte de l'argent, on en a encore de moins en moins. Donc on voit que ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors, je voudrais qu'on regarde certains commerçants, parce que certains commerçants des communes du littoral, en fait, s'équipent, notamment une boulangère qu'on a rencontrée cette semaine à Pornic, qui a investi dans un dispositif qui permet de se protéger un petit peu de la montée des eaux. On va l'écouter. C'est un pilier central et donc à chaque bout de la boutique, on a des piliers comme ça fixes et donc il y a des racles en alu avec des ventouses qui viennent s'encastrer à l'intérieur. Ça fait un bon mur anti-eau. C'est intéressant ce sort de dispositif ou c'est du pansement finalement? Alors, quand vous blessez, c'est toujours important d'avoir un pansement. Je veux dire que si c'est une hémorragie, le pansement ne servira pas à grand-chose. Donc là, le point, c'est qu'effectivement, à titre individuel, c'est important d'avoir ce type de dispositif. On le dit très bien, protéger ses biens, etc. Pour un autre point, c'est qu'il faut savoir que 20% des habitations qui se trouvent dans des zones qui sont très exposées sont de plein pied. Et on sait que lorsqu'il y a eu, par exemple, la tempête de Xynthia, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées parce qu'ils ne pouvaient pas, soit ils avaient des volets électriques qui ne fonctionnaient plus, ou ils ne pouvaient pas aller à l'étage. Donc, ce type d'habitation doivent aussi, les personnes qui habitent là, doivent y faire attention et dire, OK, si ça m'arrive, comment est-ce que je fais? On a eu quelques questions de téléspectateurs sur ce dispositif, Dimitri. On a notamment Emmanuel qui nous a dit, moi j'habite à Brest, donc très concrètement, elle a été balayée par la tempête dans la semaine, et contrairement à mes voisins, aucun message d'alerte ne m'a été envoyé et n'a été envoyé sur les 4 portables de mon foyer. Est-ce que c'est normal? Vous lui répondez quoi? Alors en fait, tout d'abord, ça a été lancé cette année, je crois que c'est mai, et ça ne fonctionne aujourd'hui que sur les portables qui ont la 4G ou la 5G. Et ça va être étendu ensuite à la 2G et à la 3G, c'est une technologie qui s'appelle Cell Broadcast. Et donc effectivement, je pense qu'il y a
ça ne marche que sur un certain nombre d'équipements. Je suppose que peut-être cette dame n'avait pas d'équipement 4G ou 5G. Hein. Bon, ça les impacte positifs. Au moins, elle ne leur rachète pas sans cesse des téléphones portables. Mais de toutes les manières, je pense qu'à partir de l'année prochaine, c'est quelque chose qui sera résolu et qui, de plus, a un vrai intérêt, c'est que ça permet directement de toucher les personnes qui sont concernées. Il y a beaucoup de sites qui permettent de savoir à court terme, comme Vigicru ou d'autres, de savoir s'il y a un risque à court terme, mais aussi même à long terme, notamment si notre maison risque d'être ou notre habitation risque d'être comment dire, prise par les flots. Alors, très rapidement, j'ai fait un petit tweet qui remonte l'ensemble des ressources qui existent, enfin, un grand nombre de ressources, et c'est Dimitri Carbo hein, sur X ou Twitter. Mais il y a même des financements qui sont possibles pour adapter son logement par rapport à ça. Il y a aussi des bons gestes à faire, des petites vidéos qui aident. Ouais. Et ça, c'est mais alors, dites-nous, excusez-moi, mais dites-nous voilà, si, les bons gestes à faire en quelques mots. Alors, il y en a plusieurs hein, qui ont déjà été dits, mais un, évidemment, éviter de prendre des risques, mais même, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être anticipées, comme mettre nos biens précieux plutôt à l'étage, d'avoir un kit de survie hein, de 72 heures à disposition pour comment dire, avoir suffisamment chaud, pour manger, etc., etc., ce qui permet de se préparer dans ce cas-là. Et idéalement, il faut aussi qu'il y ait des exercices qui soient faits de temps en temps dans les villes qui sont les plus concernées. Hein.